Non, mais c'est quoi là ce délire avec les insectes, messieurs-dames? Tiens, prenons l'exemple du moustique. Alors, le moustique peut se moquer de toi ouvertement, hein. Ça, c'est son droit. Toi, t'as rien demandé. Tu veux juste dormir? Le mec, il est dans ton oreille. Le moustique rend fou les gens. Tu pètes un plomb. Tu veux prendre une serviette, ta savate, un bouquin, mais tu veux te le faire, tu vois? Sachez, monsieur, dame, que toute personne qui se réveille en plein milieu de la nuit, ben bien, il se transforme automatiquement en lascar. Un soir, ma mère, 53 ans, comme ça, mais on aurait dit un lascar du 9-3. Mais maman, qu'est-ce que tu fais? Je suis moustique. Ah oui, hein, car toutes les personnes qui chassent moustique en plein milieu de la nuit, eh bien, ils prennent la voix de Johnny Star avec la tête de l'exorciste. Quand tu te lèves en plein milieu de la nuit, soit tu te transformes en lascar, ou alors tu pars en expédition. Voilà, voilà. Le moustique, il est là, donne la serviette. Le moustique, il est là, donne la serviette. Mais trop tard, c'est pareil. Ça a créé des tensions dans les couples. Mon mari m'a quitté. Ça nous prie de trop. C'est à cause du moustique. J'aurais dû le donner la serviette. Le moustique rend fou les gens. Car il est le seul insecte qui a une faculté de téléportation. Non mais le mec il se téléporte. Des fois quand tu chasses en plein milieu de la nuit, tu le vois, il est là. Il est là. Il est là et il pue. Hein. On dirait que les mecs ils prennent des cours dans les écoles des moustiques là. Bon les gars, alors aujourd'hui, c'est pas compliqué. Je suis là, je suis plus là. D'accord? C'est pas compliqué. T'es là, dès que t'es repéré, bon t'es plus là. Oh c'est clair? C'est clair? C'est clair? Non mais le pire, c'est que même au début, eux-mêmes les élèves moustiques ils comprennent pas. Mais monsieur, mais comment on fait pour être là et plus être là? Monsieur? En tant que délégué à la Ligue anti-alcoolique, je vous parlerai de l'eau minérale, de l'eau ferrugineuse. Comme son nom l'indique, l'eau ferrugineuse vous tient du fer. Et le dire, c'est bien. Et le fer, c'est mieux. L'alcool, non. Et l'eau ferrugineuse, oui. Et pourquoi y a-t-il du fer dans l'alcool, dans l'eau ferrugineuse? Parce que l'eau a passé et a repassé sur le fer. Et le fer a dissous. Le fer à 10 sous, c'est pas cher. Hein. D'ailleurs, l'alcool brûle les tissus de l'organisme. Ah, vous le sentez bien quand vous en buvez. Ah, ça pique. Et comme disait mon grand frère, il faut vivre, mais pas en faire. D'ailleurs, ne dit-on pas une santé de fer, un chemin de fer, un mammifère.